Adieu à tous! Bon. Mercredi, chasse. Ça, c'est beau, j'aime ça, moi. Bon, il est 8h30, tout chargé, tout est prêt. J'ai amené toute l'équipe, sauf il y en a deux en chaleur, donc deux femelles en moins. Mais toute l'équipe, voilà. Autant vous dire, ils sont en forme après le week-end où ils ont passé à se trimballer dans la voiture. Parce qu'on avait zéro attaque et zéro reine du bimbo. Là aujourd'hui on va essayer de rectifier ça. Bon, la journée elle commence bien niveau temps. Il fait un temps magnifique. Ouais, un temps magnifique. Donc maintenant on va essayer de trouver des bonnes attaques. On est à l'équipe complet niveau type à peu près. Donc il y a du bon un peu partout pour essayer de trouver des bonnes attaques. Allez, je fume tout ça. À de suite. J'aime ce temps comme ça. Petit brouillard dans les vallées. Ça, c'est beau. Une belle journée, ça. J'espère faire trembler la forêt avec les abois des chiens. Tout ce que j'espère, c'est tout ce que je souhaite. Tout ce que je souhaite. Eh, mes totos. Allez. Trop des attaques. Vous êtes nombreux à me demander. Mais Thomas, pourquoi tu roules toujours en 4x4? En 4 roues. Donc, le L200, il va très très bien. Mais dès que je suis en 2 roues, comme ici, je patinerai. Et s'il faut que je freine ou quoi, j'ai moins de contrôle que si je suis en 4 roues. Donc là, c'est normal, je suis, on va dire, dans les bois. Après, même sur la route, je roule en 4 roues parce que ça tient très très bien la route, même voire plus. Et niveau braquage et tout, il n'y a aucune différence entre 2 roues et 4 roues. Donc, vu que je rentre, je sors des chemins, je vais sur la route, etc., je garde le 4 roues et puis voilà quoi. Donc, voilà pourquoi. Bon, on arrive au premier goudron, on va regarder ensemble. Allez, on regarde en live. Là, t'as vu, c'est bien goudron. T'es, les chevreuils. Là, vous les voyez? Un petit cube blanc là. Droit devant nous, qui doit bouger. Il va bouger. Est-ce qu'il bouge? Il ne veut pas bouger. Là. Vous voyez, voilà, là ils partent. Deux chevreuils, on peut l'attaquer. Non, trois. Ah oui, trois chevreuils. Toujours beau de voir des gibiers. Le premier goudron. Eh bien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous voyez voir le chevreuil en live, regardez. Alors, non, ils sautent là-dedans. Ils sont partis par là. On va regarder sur le chemin, voir s'il y a quelque chose, mais premier goudron, zéro. Allez, on continue. 10h11, on part, enfin. Donc on n'est pas beaucoup aujourd'hui, on est 7. Voilà, 7 pour fermer, très 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 gras. Oh, voilà. Donc c'est compliqué, c'est là où tu te dis dans la chasse, dans 5 ans, ça va être compliqué. Compliqué, il n'y a pas beaucoup de jeunes, on n'est pas de jeunes et bon bref, ça c'est une autre histoire. Donc là on va attaquer sur les pieds d'une truie avec des petits, des bêtes rousses. Et ça fait plusieurs jours que les gens la voient ou voient les traces, donc elle est vraiment dans un secteur. Et donc on va poser les chiens, je vais en poser 3 sur le pied et puis voir un peu ce que ça donne. Voilà, allez, je vais filmer avec la GoPro tout à l'heure. Oh. Les vieux, oui, oui Peps, oui. Oui, oui. Venez là, hop. Bon, les chiens sont lâchés. Oui, oui vieux, oui. Ouais, tout en haut, ouais. Là, doucement. Doucement. Oui. 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 Là, Totor, là. Là, il monte, là. Là, Totor, là. Là, Totor, vieux. Vieux, 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 vieux. Là, vieux, là. Oui.
Là. Là. Ils sont où? Oui. Oui. Attends, oui. Oui. Alors. 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 Oui. Alors, ah Marius, oui. Peut-être qu'ils descendent. Faut laisser faire et. Oui. 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 Oui Marius, oui. Oui, oui Marius, oui. 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 Allez, toi, allez. Alors, Marius, oui. 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 Allez, Peps, allez, allez. Allez. Allez, oui. Oui. Ah Marius là, là Marius là. Allez Pepsi alors, c'est compliqué. Une grande gueule dans la voiture, mais après sur le pied. Allez, avance, allez, allez Pepsi, allez. On chasse. Eh Marius, viens. Faut regarder le sens. Toupio. Voilà. Oui, oui. 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 Allez, oui. Là, Marius, là. Allez. 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 Alors, allez. 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 Oui. Ah Marius là. Yop yop yop. Allez. Alors Dieu. Compliqué ou quoi? Qu'il se passe là? On n'a pas le bon sens là. Le problème, ils ont tourné partout ces sangliers. On n'a pas le bon sens. Alors, il faut revenir en arrière. Vous trouvez un défi là et puis. Puis avancer quoi. Puis avancer. Ah lui il vante, je sais pas ce qu'il vante, sûrement une chèvre, jeune comme il est. Attention Peps, oui. Youp youp. Viens Marius, viens. Oh, mais les deux femelles qui sont en chaleur, c'est les deux meilleures qu'on ait. Après le vieux, sur le pied, donc sans ailes, enfin, c'est compliqué. Moi bon, je coupe là, je remets tout à l'heure. Enfoiré, enfoiré, compliqué en ce moment, compliqué, compliqué, compliqué. Alors pour résumer, on part sur le pied prend bien, ça boit fort, ça va dans la plantation de pin, ça se calme, ça boit pas trop. Et puis après le vieux il a pris un pied, il est parti, donc je viens juste de le récupérer. Donc là où ils ont abouillé assez fort dans la plantation avant de on va dire, s'éteindre, je vais balancer dedans. On va voir ce que ça fait. Oui. Oui. Putain. Là. Ah, Totor, là.
Oui. Oui, vieux. Pepsi là. Oui. Pepsi là. Pepsi là. Pepsi, viens là. Viens ici. Viens là, allez. Dépêche-toi. Oui. Venez là. Oui. Et là. Et toi, oui. Attention, Perle. Perle. Attention, ouais. Allez, toi, oui. Oui, allez. Allez, Peps. Allez, Peps. Oui, vieux. Faut me montrer. C'est un oui. Quelque chose est debout là, fais gaffe. Qu'est-ce que c'est comme ça? Oui. C'est où? C'est là? C'est où? Oui. Sonne là.
Oui. Ouf. C'est là. Oui. Bon, mise à jour. Il est 13h. Bon, le pied était bon parce que tous les chiens aboyaient dessus, les 4 que j'avais mis au deuxième coup. Mais à force d'insister, j'ai quand même réussi à trouver, je pense, à des fils. Et ça part chez nous. Voilà, c'est chez les voisins. Donc on a arrêté les chiens, on est parti là. On a fait tous les ronciers ici, on n'a rien trouvé. Donc voilà, chez les voisins. Donc en soma, décidément, la chasse en soma, j'ai un peu la poisse. Mais bon. On a notre attaque pour cet après-midi, on va croiser les doigts qu'elle soit meilleure. À tout à l'heure. Bon, mise à jour. Il est 13h. Bon, le pied était bon parce que tous les chiens aboyaient dessus, les 4 que j'avais mis au deuxième coup. Mais à force d'insister, j'ai quand même réussi à trouver, je pense, à des fils. Et ça part chez nous. Voilà, c'est chez les voisins. Donc on a arrêté les chiens, on est parti là. On a fait tous les ronciers ici, on n'a rien trouvé. Donc voilà, chez les voisins. Donc en soma, décidément, la chasse en soma, j'ai un peu la poisse, mais bon. On a notre attaque pour cet après-midi, on va croiser les doigts qu'elle soit meilleure. À tout à l'heure. La Viola. Alors ça c'est vieux Falour. Lui il marche sur trois pattes. Oussema. Et là, hop. C'est notre plus vieux chien de pied. Et comme son nom l'indique, c'est un fou. Alors il est à la retraite. Mais impossible de le faire tenir sur place au chenil. Il est fou. Il boufferait du ciment renforcé juste pour sortir chasser quoi. Lui il vit pour la chasse. Il vit pour la chasse quoi. Voilà. Vous voyez, il reconnaît bien les traces. Il aime ça, il aime ça. Putain, il a beau, je vois zéro trace quoi. Et là, hop. Putain, il est en train de culer, il y a voilà. Pepsi est là, hop. Et hop. Vous regardez pas, hein. L'épicé, vous regardez pas. Hein. Non mais oh. Ah. Voilà. Là, Pepsi, là. Passer là au Mirador au coin du. Quel enculé! Bon, 16h, chasse terminée. Qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, rien. Rien du tout. Rien du tout. Donc, ma théorie pour expliquer pourquoi ça fait 2 semaines que c'est compliqué, c'est que les bois sont bien bralés. Donc il y a une semaine c'était encore les champignons, les pieds de mouton, tout le monde en ramasse. Et là récemment c'est les chasseurs bécasses. Donc il n'y a pas de problème. Hein. Les fourrés sont à tout le monde, sauf quand c'est en réserve, petit gibier, les petits bisons quand même. Et bon, ils chassent, je le comprends. Mais je pense le fait que tous les bois sont pétinés, les sangliers, ils se foutent dans les endroits tranquilles, dans des réserves, dans les endroits près des maisons, dans les endroits où personne n'y va dedans. Et puis se regroupe. Alors l'autre soir, quelqu'un a vu entre 30 et 40 ensemble, pas loin d'ici, donc c'est sûr, c'est 30-40 sangliers se foutent ensemble. 30-40 sangliers se foutent ensemble, ils sont ensemble quoi. Un jour ça va péter, il faut que le froid retombe, ça va peut-être les faire bouger, on verra bien. Mais entre temps, on galère un peu quand même. Après ce matin, bon non, après il y a beau rapprocher. Je veux dire, sur les traces, les 4 chiens ils aboyaient,
Donc c'est un point positif. Point positif parce que les chiens ils aboyaient quand même sur les traces, mais bon, on n'a pas pu lever. J'ai les chiens meneurs, ils n'ont pas mené de longtemps. Donc c'est un peu la galère. Mais on ne perd pas espoir. Samedi, on remet ça. Et puis on verra bien. Bon, c'est la fin du vlog. Du coup, on se dit à samedi. Bisous chiens. Ciao.